Hello à tous, c'est DJ Nico 44. Je vais faire une nouvelle vidéo sur ma présentation de ma sono. Du coup, voilà le matos complète. Du coup, avec mes deux nouvelles lyres que je vais faire une vidéo pour vous présenter parce que j'avais ça avant, mes Axis. Du coup, voilà le changement. Du coup, j'en ai trois PA de chez Futurite PHS 260. Je vous ferai une vidéo complète. Sur la présentation et les fonctions, tout ça. Alors en sonorisation, on a le caisson de basse de chez Philips avec son ampli qui est là-bas. Les enceintes LTC Audio avec l'ampli, les deux enceintes là et là. En lyre, on a ces deux-là pour l'instant. Il y a celle-là et celle-là qui attend d'être en installation. Oh non, on a le. S'appelle le LED Wings de chez Contest, les deux scans de chez Nichols, le barlet de Night Fluo de chez Contest aussi, le Triscan LED de chez Bottom. On a un Derby LED de chez Varitech que j'ai acheté ça sur Thomann, Varitech Derby LED ST. Du coup avec la fonction strobe, on a le petit microphase, ça c'est un fidèle de la sono, ça je vous le préviens, le deuxième scan et une petite boule à facettes, je sais même plus la marque, Festi Party, c'est un truc, je sais pas, quand tu trouves ça à la farfouille, quelque chose comme ça. Alors en son, on a du coup en complément avec le son, on a l'autophonie, la table de mixage autophonie de Submix. Du coup, je peux brancher en USB, ça fait comme une carte de son comme un. Qui s'appelle. Une table de mixage, une platine. Alors, et aussi, on a une nouveauté sur la sono, un logiciel de programmation qui s'appelle Exodus Lite. Avec son interface DMX. Du coup je contrôle tout à distance mes jeux de lumière. Bah pas à distance par le câble par DMX. On va mettre un qui est bien comme musique. Et en niveau puissance de son on est très bien. Et aussi, je vous ai pas présenté, c'est un stroboscope de 750 watts. C'est SX Lighting Strobe 750. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.